Bonjour mon ami, tu kiffes les vidéos de Rito, non? Laisse les gens parler, abonne-toi et active la cloche de notification. Que Dieu te bénisse. Yo la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez très très bien. C'est votre homme, c'est Eritor. Moi, je vais super super très bien, grâce à Dieu. En tout cas, je vous souhaite de péter la forme comme moi. Voilà, aujourd'hui, je vais vraiment vous surprendre. Aujourd'hui, vous serez peut-être du courageux de moi. Parce qu'effectivement, je suis vraiment pas content de ce que je vois. De ce que je vois sur la toile, de ce que je vois de mes artistes. Surtout de mon artiste personnel, de Bordeaux Likoufa. Je vais pas trop parler. Je vais d'abord vous laisser écouter des petits bouts de leur direct, de leur dernier direct, et puis après je vais réagir. Si tu parles de poteau aujourd'hui, c'est parce que mes fans même ont permis que tu parles de ça. Mes fans ont permis que tu te moques de moi. Voilà. C'est mes fans qui ont permis que toi, tes paquettes, on dirait bafk. C'est Baf qui a nagé pendant 8 ans et puis ça joue encore musique. C'était pas quitte la question, ça. Il y a 3750 équerres dans ta bave. Dans ton visage de primate là, parce que c'est-à-dire qu'on ne voit que le squelette que tu es. Tu n'as pas de beauté. Et ça, c'est grave. Un homme qui n'a pas de beauté, mais c'est grave. Du coupé décalé. J'ai fait le Wanderlust à Paris en juillet. Aucun artiste du coupé décalé n'a rempli le Wanderlust comme je l'ai fait. Vous avez oublié, on dirait que beaucoup ont la mémoire courte. Mais on va régler ça musicalement. Tu dis, tu es fort, non? Il n'y a pas de souci. Mon album arrive. Parce que pour toi, tu n'as rien entendu. Parce qu'on n'a pas besoin d'entendre ça. Les trucs de Nawayou, les vieux trucs de Koumel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 
Amadalokem, non. Ah! Non, 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 non. Aucune recherche, aucune inspiration. Toujours les mêmes beats. Toujours les mêmes beats. Tous les sons se ressemblent. Déjà, Moro, là, c'est Arafat qui lui donnait le nom. Arafat l'a oublié, le gars a perdu les pédales. Perdu les pédales. Tu fais ça pourquoi? Mais laisse les gens respirer, tu. Change un peu. L'homme ne peut pas partir de Yusumba. Yusumba, il y a quoi? Il y a plusieurs styles, champion. Non, 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 non. Ça, Beno, tu n'as plus inspiration. Il y a Ako. Il y a Ako. Arafat t'a laissé. Il dit, il est garant, il est champion. Il ne faut plus rien parler de lui. Il faut regarder ce qui va se passer. Il faut regarder seulement. Ne dis plus son nom, regarde seulement. Il me charge de lui. Je le veux. Je le veux. Il faut regarder ce qui va se passer. On va l'endormir petit à petit. Et puis ça a commencé. Un faux son, les mêmes beats. Même le son de ça, c'est la danse, la danse, ma bagué. Ça, c'est le Yule. Okana soko pina mama sire. Okana soko mama sire. Il a transformé. Ça, c'est la danse, la danse, ma bagué. Un voleur. Ce qui est bon, c'est que les gens voient, mais ne parlent pas. Mais ça aurait été le petit bété qui est ici. Bété, ils vont le tuer. Mais ce qui est bon, c'est que les gens m'insultent, mais mes morceaux prennent. Parce que Dieu a sa main sur moi. Oui. Ok, vous venez les écouter, hein? J'espère que tout le monde ici comprend très bien le français. Tout le monde a bien compris ce qu'ils ont dit. Voilà. En fait, je ne vais même pas parler mal à mes artistes, mais je vais dire certaines vérités qui vont encore choquer les fans de Serge Beno et peut-être certains fans de nos artistes. Vous savez, je vais prendre d'abord DJ Arafat. Effectivement, DJ Arafat, c'est le problème, c'est quoi? Ce que ton frère de Bordeaux dit, c'est pas faux. Chaque fois quand tu ouvres la bouche sur un artiste, tu lui donnes beaucoup de cotes. Moi, je peux affirmer pour dire que c'est toi qui as fait Serge Beno. Et puis, s'il est reconnaissant, il va le reconnaître. S'il est reconnaissant, il va le reconnaître. Mais bon, là n'est pas la question. Là n'est pas le sujet du jour. Quand je dis que je suis pas content de vous, je vous explique simplement. Hein. DJ Arafat, le problème avec toi, tu es très impulsif. C'est-à-dire que tu ne sais pas garder tes émotions. Tu ne sais pas ignorer. Tu te sens toujours obligé de prononcer sur quelque chose. Et t'as dit une chose, hein. Ceux qui sont sur la toile savent. Tout le monde a regardé le conseil de Serge Beno. Tout le monde a regardé Serge Beno. Ils ont applaudi Serge Beno. Mais la première chaîne YouTube qui a déniché les paroles de clash où Serge Beno t'insultait, il insultait mon artiste de Bordeaux, il se moquait de vous, là. C'est Héritage de Serge TV, il n'y a pas de deux. Les dates sont là. Voilà, les heures sont là aussi. C'est moi. Et je me suis assis pendant plus d'une heure, écouter tout le conseil. Parce qu'il connaît ce dernier là. Il savait qu'il allait se moquer de vous parce qu'il a fait sale comme. Et quelle sale même. Bref, ça, c'est pas le sujet du jour aussi. Moi, j'ai fait ça pour dire, laisse, on va faire ton palabre. Laissez, on va faire votre palabre. Mais malheureusement, comme vous êtes égal à vous-même, vous vous êtes senti obligé de réagir. Et puis, c'est allé où? Bien au contraire. Serge Beno est en train de vous distraire. Il est en train de vous distraire loyalement. C'est-à-dire, il est en train de vous distraire. C'est-à-dire, je ne sais pas quel mot je vais utiliser, mais c'est il est en train de vous baiser sur toute la ligne. Ton album doit sortir, DJ Arafat. Ton album, il doit sortir. Je vais te dire une chose. Tu peux peut-être t'en foutre de nos conseils, hein. Tu peux peut-être t'en foutre de nos remarques. Mais si tu veux rentrer en clash pour ton album qui soit à l'international, il va faire un flop. Je ne te le souhaite pas, mais je te dis la vérité. Et c'est ça le plan de Serge Beno. C'est ça le plan de Serge Beno. Vous n'arrivez pas à comprendre là. Vous avez tellement gros cœur. C'est vous qui êtes tellement nerveux. Vous vous sentez obligé de répondre à tout. Voilà ce qui moi me dérange en fait. Vous pensez que vous êtes déjà. Vous pensez que vous voyez loin, mais vous voyez souvent pas loin. Vous rentrez dans le jeu du diable. Laissons ton album qui doit sortir. Tu prépares un gros concert avec ton frère de Bordeaux, Likoufa. Le 29 décembre. La psychologie, là, ça agit. Hein. Jouer à tête des gens, ça agit. S'il y a même des gens qui étaient prêts à aller à ton concert, si tu te mets dans un moment de clash. Bon, nous, les fans, on va dire Gamil, il y a foi, on sera à ton concert. Mais s'il devait avoir 50 000 personnes, tu peux te retrouver avec 20 000, même 25 000. Oh non, on n'a pas besoin de ça. Donc, ce que moi, j'ai été dit, DJ Arafat, attrape ton cœur.
attrape ton cœur. Prends ton dicton et puis après, si tu veux, il faut t'occuper de lui. Mais pour l'instant là, il est en train de jouer avec votre esprit bien même. Moi, ce qui me fait rire, c'est que vous pensez que vous êtes trop malin. Vous contrôlez la situation. Oh, vous ne contrôlez rien, les amis. Vous ne contrôlez absolument rien. Oh, Didier Arafat. Bref, je vais revenir sur toi après. Des Bordeaux Likoufa. Toi, tu as fait presque un an sans faire sortir de son. Les gens t'ont insulté ici, ils se sont moqués de toi. Ils ont dit tout et n'importe quoi sur toi. Que tu ne vaux rien, que tu n'es pas inspiré. Tu as une bombe comme ça qui est en train de venir. Tu veux venir l'entacher avec ces histoires de clash là. Écoutez bien mes propos, hein. Serge Benoît est en train de vous baiser. Excusez-moi pour mes propos, mais c'est le thème même adéquat. Il est en train de vous baiser sur toute la ligne. Il est en train de vous distraire. Concentre-toi. Agaza, Gaza va sortir. On va faire nos 500 000 vues en un jour, nos 3 millions de vues en une semaine. Tu es en train de t'embrouiller. Tout le monde entier, même les fans de Serge Benoît, c'est que tu es 1500 fois que Serge Benoît. 2500 fois, 10 000 fois fort que Serge Benoît. Mais oui, tu as besoin de dire, tu as besoin de le faire dormir. Non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. C'est une perte de temps. C'est une perte de temps de Bordeaux Likoufa. Moi je ne sais pas pourquoi toi et Didier Arafat vous comparez à celui-là. Mais celui-là, il explique depuis qu'il fait vidéo. Il y a 379 vidéos sur ma chaîne. En moins d'un an. J'ai déjà débattu le cassage, mais moi, il a déjà démystifié sur toutes mes vidéos. Et j'ai compris que c'est quelqu'un, il ne va jamais accepter une réconciliation parce qu'il voit le mal partout. Voilà. C'est lui le martyr. On l'a trop attaché. Oh, vous êtes clashés, vous tous ici. J'ai même souvent participé à ces clashs. Il est même aidé à faire sa promotion dans ces clashs. Mais c'est lui, tout le monde attache trop. C'est lui qui est trop le martyrisé. C'est quelqu'un comme ça, vous voulez vous attarder. Mais il va vous mettre en retard. Il va vous mettre sérieusement en retard. Toi, Debolo, c'est quel nom tu cherches encore? Didier Arafat, c'est quel nom que tu cherches que tu n'as pas encore eu? À quoi des petits propos, il a sorti là, vous allez vous acheter. Non. Regardez même son dernier qu'il avait sorti, qu'au carton rouge. Ça, c'est un carton blanc. C'est la vérité. Vous parlez là. Ce qu'il est en train de dire là, c'est la vérité. Vous pensez qu'il est venu insulter mes artistes à cause de vous? Vous qui passez votre temps à lâcher des mauvais commentaires là. Il vous dit une vérité. Hein? Vous savez que Debordeaux et Arafat sont 500 000 fois que fort que Serge Benoît. Mais si vous vous laissez toujours des mauvais commentaires, c'est parce que vous reconnaissez que ils sont super talentueux. Et c'est parce que vous détestez ces deux-là, c'est tout. Voilà. Eux aussi, ils s'assument. Ils ne font pas semblant. Ils ne sont pas hypocrites, égoïstes. Voilà. Ils ne sont pas faux. Ils sont vrais. C'est ça qui est la vérité. Mais moi, ça me fait juste mal de les voir revenir dans les mêmes trucs là, les faux trucs enfantins là, fait direct dans les points finis, il a été fait tant. Et puis toi, Didier Arafat, tu as un problème. Tu es une star qui est tellement suivie, peut-être que tu réalises pas ça. Les propos que tu sors aujourd'hui pour te compromettre demain, je n'aime pas quand tu fais tes directs et puis tu as un air de menace. Moi, ça me plaît pas, ça me dérange en fait. Tu n'en as même pas besoin. Serge Benoît là, il faut maintenant l'ignorer parce que tu le dis dans ta vidéo. On ne parle plus de lui, on ne parlait même plus de lui. Vous allez venir lui donner de la corde encore. Vous pensez que vous cherchez à le descendre? Non, vous êtes en train de le grandir. Vous êtes en train de le grandir parce qu'il est en train de vous distraire. Tant qu'on a pas sorti, il est en train de le boycotter sans que tu le saches. Le conseil du 29 décembre, peut-être que comme nous on est gamins, on sera là à ton conseil. Mais il est en train de boycotter tous vos projets. Oubliez-le. Réussis la sortie de ton album. Prends ton disque d'or. Cassons l'Ivoire Golf Club de Bordeaux. Cassons les vues sur tout YouTube. Enchaînons les sons, c'est tout ce qu'on demande. Benoît là, il vaut rien. Moi, il dit ça aujourd'hui. Voilà. C'est pas nous qui avons venu parler, mais ils savent qu'il vaut rien. Mais oui, j'assume mes propos. Est-ce qu'il est fort? Ne confondez pas. Dieu te bénit. Dieu dit, toi, quel que soit ton talent là, tu seras temps. Et puis, toi, tu es fort, mais je vais retarder ton succès. C'est pas la même chose. Même moi-même, Stéphane, à lui. Même moi-même. Qu'est-ce que vous avez senti ça? Il chante 500 fois mieux que Benoît. Je suis trop fort que lui. Mais chacun a son étoile. Dieu a décidé qu'il brille aujourd'hui. C'est pourquoi vous prenez pour parler. Lui, il va venir prendre le micro. Quand il commençait à chanter, tout le monde a dit qu'il ne valait rien. Mais tu ne vaux rien. C'est la vérité.
Non, moi, il n'y a pas de traité de PD, mais côté talent, là, tu es nul. Claire, clair même. Donc, faut oublier ça. Voilà. Que Amadjalobé, Amadjalobé. Sale voix en plus. On dit Amadjalo, 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 Amadjalo. Ma voix est cassée. Non, Arafat était pas doux. Pardonnez. Mettez pause. Parce que Morgan est en train de vous rouler dans la farine sans que vous vous en rendiez compte. J'espère que ma vidéo va vous parler. Si vous n'avez pas parlé, tant mieux. Non, vous regardez. Mais moi, j'ai mal quand vous vous comparez à ce dernier-là. Il a du succès, certes, mais il n'est pas fort que vous. C'est tout ce que j'avais à dire. Si vous avez compris ça, vous ne devez plus faire vidéo encore. Voilà. Ciao, ciao, les amis. C'était ma vidéo du jour. Venez parler encore. Je vous attends en commentaire. Vous me connaissez où? Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Bonne journée à toutes et à tous.